Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouveau test de jeu rétro, et cette fois-ci on va s'intéresser tout de suite à un autre jeu de la franchise FIFA, et je suis sûr que vous l'avez certainement croisé au moins plusieurs fois. Il s'agit de FIFA 97, sorti en 1996-17 sur Sega Mega Drive ou Sega Genesis, ça dépend comment on l'appelle, et évidemment il s'agit d'un bon petit jeu de foot des familles. Bon, alors vous avez toutes sortes de modes, vous avez le mode outdoor, autrement dit le mode terrain, et le mode indoor, où on joue en salle. Mais je suppose que ça aussi vous connaissez. Alors, évidemment, dans toutes sortes de, vous avez toutes sortes d'équipes, vous avez le monde mondial, ça c'est l'équipe, ça c'est le championnat suédois, dont on parlera une prochaine fois. Ça c'est le championnat espagnol, écossais, hollandais, malaisien, oui, alors aussi incroyable que ça puisse paraître, les développeurs ont mis le championnat de foot malaisien. Genre, bon, j'aurais préféré japonais, mais bon, soit. Bon, ça c'est l'italien, allemand, français, anglais, brésilien, américain. Ah oui, et ça c'est, comment dirais-je, une équipe, c'est un petit mode où on permet de créer sa propre équipe ou son propre club, ça dépend comment on l'appelle. Là vous avez, voilà, là, oui, là vous avez, j'ai pris la sélection du Vatican, mais bon, on verra pas le Vatican tout de suite. Mais un peu plus tard, je ferai jouer cette équipe, ne faites pas confiance. Oui, alors il existe un mode où qui permet de créer sa propre équipe. Ah bon? Donc, c'est parti! Voilà, on va prendre la Corée du Sud et on va prendre. Attendez, je vais prendre une équipe qu'on voit pas tous les jours. Allez, la Nouvelle-Zélande. Allez, c'est parti. On va laisser l'IA jouer à notre place parce que j'aime beaucoup laisser l'IA jouer à ma place. Allez, c'est parti donc pour ce petit match assez sympa entre l'équipe nationale de Corée du Sud qui joue tout en bleu face à eux, l'équipe nationale de la Nouvelle-Zélande qui joue tout en blanc. Et j'en profite également pour faire une dédicace à tous mes fans coréens, nord comme sud. Ainsi que une dédicace à tous mes fans néo-zélandais. Bon, je vais lancer quelques matchs. Et une prochaine fois, j'essaierai de faire jouer l'équipe nationale du Vatican. Juste histoire pour qu'on la voit un petit peu plus à l'œuvre. Parce que quelque chose me dit que cette équipe promet du rêve. Je sais pas pourquoi. Allez, c'est parti. Kim, Yo, Watson, enfin Watson. Eh oui, Kennedy. Eh oui, oh, attention, attention, non, 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 c'est sorti directement en touche. Donc touche pour la Corée du Sud. La Corée du Sud qui joue tout en bleu, je vous le rappelle. Allez, on continue, oui, regardez, c'est parti, oui. Kim qui passe à Wang Jackson Je Jackson Keller Kennedy. Attention parce qu'il faut faire gaffe à ces équipes de Nouvelle-Zélande. Bon, hélas, les Nouvelle-Zélandais, c'est pas des foudres de guerre, je vais pas vous le cacher. Alors qu'il y a une touche pour les Néo-Zélandais. Les Kiwis, comme on les surnomme. Attention, attention, parce que là, oui, les Néo-Zélandais s'approchent dangereusement de la défense des cages sud-coréennes. Et une nouvelle touche. Cette fois-ci, elle est pour les Sud-Coréens. Touche effectuée par Lee. Soon. Yeo. Et on continue, voilà, ils se tenaient à cœur joie les deux équipes. Ceux qui sont assez véloces. Les deux équipes sont vraiment mais assez véloces. Oh là, attention, j'ai pas compris ce qu'il a voulu faire. Ah, d'accord, c'est une nouvelle touche pour les Sud-Coréens. Oh, attention, là, ils ont de nouveau le ballon. Est-ce qu'ils pourront réussir à marquer? Est-ce qu'ils vont réussir à marquer? Parce que là, ils ont le ballon, ils essayent de dominer et essayent de comprendre le jeu néo-zélandais. Kim. Oh. Jackson. Jackson.
Oh, attention, attention, attention! Oh, attention, est-ce que... Ouais, est-ce que... Non, 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 oulala, là, 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 c'est pas fini! C'est pas fini! Oulala! Ouh, c'est pas passé loin! Oui, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin, c'est pas passé loin! J'ai bien cru qu'ils allaient ouvrir le score, ceux-là! Je parle des Néo-Zélandais, bien évidemment! Allez! Allez, on continue, on continue, allez, on continue, mesdames et messieurs. Oh, attention! Cette fois-ci, ce sont les Sud-Coréens qui ont de nouveau le ballon. Kim! Kim! Oh, mais ils vont finir par marquer, hein. L'une des deux équipes va craquer. Je sais pas pourquoi, mais l'une des deux équipes va craquer. Oh, attention! Ouverture du score des Sud-Coréens, ouais! Magnifique! Oh là là, ils sont allés le chercher celui-là! Ils sont allés le chercher! Ah, mais c'est vraiment ce qu'on peut appeler mais un véritable guet-apens, hein. Beau travail collectif des Sud-Coréens! Franchement, GG les mecs, franchement, vous méritez ce but! Allez! Donc, c'est parti! Corée du Sud 1, Nouvelle-Zélande 0. Ah oui, je vais aussi tester la version 96 où je vous promettrai aussi un match entre Facebook et Twitter. Ça se promet ça. Oh, attention! Mais bon, bref, je vous montrerai tout ça, je vous le promets. Allez, c'est reparti. Alors qu'on est dans le dernier cas, dans la dernière minute de cette première mi-temps. Et pour l'instant, la Corée du Sud mène toujours 1-0 face à la Nouvelle-Zélande, qui est vraiment l'équipe la plus faible de ce jeu. Là, time added, donc ça va pas être à la mi-temps. Et ben c'est justement à la mi-temps. Voilà, parfait. Mais je savais que quelque part ils allaient marquer. Donc mi-temps donc. Et comme vous l'avez vu dans ce tableau, la Corée du Sud mène 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Bon, je ne sais pas qui c'est qui a marqué, mais bon, on a quasi sous-entendu que le gardien, je veux dire le joueur sud-coréen qui a marqué et qui a ouvert le score, on l'appelait Kim. Donc ouverture du score de Kim du côté sud-coréen. On se sépare un petit moment pour une petite page de pub et on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps de ce match. Hein. Ici, Séoul, en Corée du Sud. À vous Paris. Et nous sommes de retour ici à Séoul, en Corée du Sud, pour suivre la deuxième mi-temps de ce match, ma foi, assez passionnant, même si au fond il l'est pas vraiment, mais bon, il reste quand même un très bon match à regarder. Donc, la Corée du Sud qui mène au score 1-0 face à la Nouvelle-Zélande. Et pour l'instant, tout va bien pour les Sud-Coréens. Et Wang, Sho, Ko, et touche. Voilà, touche pour les Néo-Zélandais. Les Néo-Zélandais qui peinent à essayer d'égaliser. Mais bon, les Sud-Coréens, on les connaît, ils sont plutôt du genre à ne jamais abandonner. Même si s'ils galèrent un peu. Allez, c'est reparti. Wilson. Wilson. Et corner! Non, pardon, non, sortie de but, excusez-moi, excusez-moi, j'ai cru qu'il y avait, c'était un corner, autant pour moi. Voilà. Smith. Kennedy. Maxwell. Kennedy. Repris par Wang du côté sud-coréen. Wan. Ko. Repris par Wilson. Kennedy. Kim. Allez, on continue, mesdames et messieurs. On continue, on continue, on continue. Ah, attention, attention, cette fois-ci, ce sont les Sud-Coréens qui ont de nouveau le ballon. Et touche pour qui, au fait, déjà? Je crois que c'est pour. Ah, bah, c'est pour la Nouvelle-Zélande, évidemment. Allez, c'est reparti. Ko. Wang. Ah, touche cette fois-ci pour les Sud-Coréens. Et les Sud-Coréens qui pour l'instant, se promènent. J'irais même, ils font patte de velours. Hein.
Oh, attention, attention, est-ce que ça va passer? Est-ce que vous... Ouh là là là, est-ce que... Oui, il a marqué! Oui! Bravo les mecs, mais oui! Mais oui, mais oui! Ah non, mais là, c'est... Il joue sur du velours, hein. Tout en finesse. Et... Nouveau but marqué par... La collée d'Oussoud. Et tout va bien, mais vraiment tout va très bien pour les guerriers Taïgouk, comme on les surnomme. Donc 2-0 pour la Corée du Sud face à la Nouvelle-Zélande. Et quelque chose me dit que les Sud-Coréens. Enfin, le football sud-coréen n'a pas perdu de sa super. Et c'est tant mieux comme ça. Allez, oui. Est-ce que oui, c'est bon, il a réussi à le récupérer. Allez. Ok. One. Ah, repris par les Néo-Zélandais. Wilson. Repris par les Coréens. Une fois par les Sud-Coréens. Lee Choi. Allez. Repris par Maxwell. Choi. Kwan. Ça va, franchement, bon, je sais que le jeu a un peu perdu, est loin d'être la meilleure version de FIFA, mais ça va, franchement, le jeu est assez nickel, ça va, on s'attendait vraiment à mieux, hein. Allez, c'est reparti, oh, non, ça c'est bon, il a réussi à récupérer. Nouvelle touche pour les Sud-Coréens, qui, vraiment, mais tiennent vraiment le bon bout, quoi. Ah mince, ah zut, hein, il a tiré un petit peu trop fort, j'ai l'impression. Allez. Smith. McIntyre. Repris par Choi, repris une nouvelle fois par les Néo-Zélandais. Choi. An Kyong. Ah non, est-ce que ça va suffire? Est-ce qu'il va tirer? Ah dommage, il était... Oui, il était... Ouh là, attention! Oui, c'est le but! Mais oui, monsieur! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Mais oui! Il est là! Il est là, le fameux but! Et qui plus est le troisième but sud-coréen! Oh là 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 là! Ok, quelque chose me dit que j'ai bien fait de tester cette version-là, parce que ce jeu FIFA-là, je ne me souviens pas de l'avoir testé. Et très sincèrement... J'ai bien fait de tester. Donc, ce qui fait un total de 3 à 0 pour la Corée du Sud. Allez, on continue. Allez, les gars. Et, attendez, c'est un patate. Eh ben, c'est justement la fin du match. Eh ben, victoire. Belle victoire, donc, de la Corée du Sud qui bat, mais... la Nouvelle-Zélande, mais quasiment, mais sans forcer, quoi. C'est franchement... Homme du match, Kim Jong-un. Eh bien, GG, Kim Jong-un, tu es l'homme du match. GG, franchement. Eh bien, GG. Donc, belle victoire des Sud-Coréens qui l'emportent face à la Nouvelle-Zélande sous le score. Après, donc, 3 à 0. Donc, bah, GG, franchement, aux Sud-Coréens. Parce que là, franchement, ils ont géré du pâté. Franchement, ils ont géré, mais vraiment géré, hein. En tout cas, il mérite vraiment la victoire. Voilà donc, c'est donc la fin donc de ce test. C'était donc FIFA Soccer sur Sega Genesis, sorti en 1996-97 sur Sega Genesis ou Sega Mega Drive, ça dépend comment on l'appelle. Alors je vous rappelle le score de ce match. Victoire de la Corée du Sud face à la Nouvelle-Zélande, 3 à 0. Donc, belle victoire des Sud-Coréens. Voilà donc, je pense que donc ici. J'espère que ça vous a plu. C'est comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut et rendez-vous pour de prochains tests ainsi que de prochains matchs. Ici Séoul, en Corée du Sud, à vous Paris. Oh et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau.